Yo les petits potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on est au skatepark de Lille-sur-la-Sorgue. J'ai déjà fait plusieurs vidéos ici. Hein. Aujourd'hui, on va faire deux choses assez sympathiques. Alors, je vais entre guillemets faire un petit test du parc. Putain, je regarde que le retour depuis tout à l'heure, je suis désolé. Et ensuite, en plus de ça, ils ont construit un pump track. Je vais aller faire un petit peu du pump track aussi pour essayer. Et je suis venu il y a deux jours. Il était fermé. Et je vais voir si je suis pas trop fracassé du talon. Parce que bah, quand je suis venu il y a deux jours, je me suis éclaté le talon. Flashback pour ceux qui n'ont pas suivi sur Insta. Je pense qu'on va aller se chauffer dans le pump track là-bas. Mettez-moi ça, le petit pump track. Ah, c'est pas mal. Je sais même pas si on a vu grand-chose, mais... Il y a le transfert là, il est bien. Et le transfert là, il est pas mal aussi. Je vais essayer de faire 2-3 merdes dessus. Tout est record. Fais-nous un tricks. Elle est bizarre en train de... Voilà. Ah putain, j'avais oublié, on pouvait charger les tels ici. Yo. C'est après une transition plus que marquée d'environ une semaine, le petit bot. Parce que oui, bon, au montage, il s'est rien passé, mais... En abrégé, voilà, il s'est passé une semaine après les plans du parc que vous avez vu en dernier, là. Parce que, bah, en fait, après ça, j'étais plus très chaud et au final, j'ai pas mis beaucoup de tricks ni rien. Donc, j'ai plus profité de la session plutôt que de filmer. Mais c'est donc pour ça que, voilà, il y aura des séquences qui seront sous un autre jour aujourd'hui. Vous avez vu quelques clips que j'ai fait sur le pump track, bah, la dernière fois, du coup. Parce que ça, c'était la dernière fois. Et là, bah, maintenant, après ces petits plans du skatepark, je vais vous faire tout de suite quelques petits tricks sympathiques que vous m'avez proposé sur Instagram. Bref, j'ai fini de blablater. Là, on va regarder un petit peu vos tricks. On va regarder ce que vous nous avez proposé. Bon, je suis pas du tout sûr de ce que je vais essayer, mais le premier trick en cours qui me paraît faisable pour moi, en tout cas, bien que ce soit déjà dur de se choper avec ça, c'est plusieurs tricks imposés par mon petit Hugo Vegashop. Putain, Hugo, t'es pas cool. J'ai vraiment sûr que je plaque ça. Voilà les gars, Brickick il n'était pas du tout programmé dans la livraison des tricks, hein, mais il fallait que je le fasse. Donc oui, j'ai passé beaucoup de try, mais je voulais trop le remettre. Du coup, je suis très content. En plus de ça, je l'ai mis sous un angle que j'avais jamais encore filmé. Donc c'est très très cool. Et maintenant, je vais essayer, parce que je vais devoir me barrer. Et du coup, je vais faire cette vidéo en 3 sessions en fait. Je vais essayer de faire cette 2 et puis après, je m'en vais. Allez, c'est parti. Bam, bam, bam. Donc, je venais de plaquer bah, Brickick et j'allais tenter des 7-2 qui étaient plutôt désastreux. Je vais savoir pourquoi, quand j'ai de la hauteur, je ne sais pas faire 7-2, mais quand je suis sur une petite courbe comme un cavaillon, j'y arrive. Je sais pas. Bref, là, du coup, on va regarder un petit peu, on va se replonger un petit peu dans les tricks que vous m'avez proposé pour finir cette vidéo. Vous voyez, je voulais pas le bâcler la vidéo, en fait, finalement, et vous laisser qu'avec les séquences d'avant, et puis fini, quoi. Voilà, je voulais vraiment faire la vidéo au complet, et comme j'ai eu des péripéties qui ont fait que, j'en ai parlé vite fait dans mes stories Insta, bah forcément, la vidéo, j'ai rien posté vendredi, puisque j'avais rien d'autre
à poster. Et au moins comme ça, bah, je vous ai pas bâclé le travail et là vous avez une vraie vidéo qui sort complète. Moi je suis satisfait. N'hésitez pas à exprimer votre satisfaction vous aussi en lâchant un petit like. Voilà, toujours plus d'autopromo avec Alrider 38. On va se chauffer un petit peu quand même. Cette fois-ci on va se chauffer sur la partie street. Je vais regarder ensuite ce qu'il y a sur Insta. Il y a pas mal de tricks qui m'ont été proposés, ça c'est cool. Par contre il y en a pas mal qui sont assez durs, je trouve, enfin pour moi. Donc je verrai bien. C'est parti les petits potes. Donc j'ai deux propositions de tricks qui ont retenu mon attention. La première c'est prendre un des gros rails en fait en board et si c'est possible pour faire plaisir à Nance en board bar. J'ai mon collègue Romain Fontaine qui m'a dit de prendre celui-là. Les autres, il y en a quelqu'un d'autre, je sais plus qui c'est. M'a dit de prendre celui-là. Celui-là, je l'ai pris une fois, je me suis fait une cheville, je l'ai plus repris et j'ai pas envie d'essayer les gars. Et ensuite, comme autre tricks, j'ai eu un bri whip sur le transfert de la table. J'espère juste le trépied va pas se faire envoler parce qu'il s'est réellement envolé juste avant. Du coup je vais essayer de prendre le rail là. On va prendre le gros rail qui à la base me fait peur. Ils sont sensiblement les mêmes à la base. Hein. On va vraiment savoir. Je crois que j'ai compris. Il a fallu que je prenne l'autre pour comprendre en fait. Alors je suis en train de rager tout seul là. C'est qu'il y a un espace entre le plan 1 qui est le rail. Ça fait comme se poser à plat sur le rail, c'est beaucoup plus simple sur l'autre qui est là-bas. C'est les plus proches du plan 1 qui est là. Parce que celui-là, il a un petit écartement. Donc il faut sauter plus loin. Je crois que c'est la première fois que je galère autant pour faire un board bar, les gars. En vrai, je suis content, du coup. Comme prochain trick, 5-4 bars. Je sais pas du tout où je vais le faire, mais sachant que je le mets pas en courbe, bah, les choix sont assez limités. Et qu'en flat, bah, j'y arrive pas. Ça va se faire, à mon avis, sur le plan avec de la pira, juste là. Putain, regardez-moi ça, les gars. C'est un désastre. Faut que je fasse un truc avec ses cheveux. C'est plus possible. Ah bah voilà, petit pote, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été assez chaotique pour filmer aujourd'hui, mine de rien. Franchement, moi ça me fait plaisir de réaliser cette petite vidéo au skatepark de Lille-sur-la-Sorgue. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans mon skatepark préféré, les petits potes.